congolaises, congolais. Les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise. Être âgé de 18 à 25 ans. Être célibataire, sans enfant et volontaire. Avoir une bonne moralité. Avoir fait au moins 4 ans post-primaire. Être physiquement et mentalement apte. Être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale, les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbu. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya Ebele, Totombola Bendele et Mboka na biso. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénonce avec véhémence le comportement va-t-en-guerre affiché au Nord Kivu par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Pendant que tous les observateurs et prix de paix s'attendent au respect strict des accords et engagements de Nairobi et de Luanda par les terroristes RDF M23 comme le font les FARDC, l'on assiste à des mouvements des troupes RDF M23 ainsi que de leurs recrues qui viennent de terminer la formation au Rwanda et à Tchanzu pour réoccuper leurs anciennes positions à Kibumba et à Rugari où ils ont installé leur quartier général avancé et ce dans le secteur sous contrôle de la force de l'EAC. L'objectif de ce redéploiement est d'attaquer la ville de Goma et d'accentuer de ce fait la crise humanitaire et l'insécurité. Les forces armées de la République démocratique du Congo prennent à témoin la communauté nationale et internationale, la MONUSCO, différents mécanismes de vérification et la force régionale de l'EAC afin que ce mouvement terroriste respecte les accords et engagements de Nairobi et de Luanda. Le gouverneur du Nord Kivu et commandant des opérations en province, le lieutenant-général Constant Dima, a réuni ce lundi 29 mai 2023 à Goma tous les commandants des grandes unités de l'armée engagées dans les opérations contre les terroristes du M23 et leur allié RDF. Les instructions fermes leur ont été données par le commandant en chef. Le porte-parole du gouverneur, le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko, revient ici sur les grandes lignes des échanges de ce jour. Le commandant des opérations qui se trouve être le gouvernement militaire des provinces, son excellence le lieutenant-général Dima Kongba Constant, a tenu, n'est-ce pas, à réunir tout le commandant des grandes unités engagées dans les opérations de traque contre le M23 appuyé par l'armée rwandaise. Et les échanges ont tourné tout autour, n'est-ce pas, du fait que les troupes doivent rester en alerte maximale malgré que nous sommes en train d'observer la trêve telle qu'est voulue par la hiérarchie, mais au regard, n'est-ce pas,
de tout ce que nous sommes en train d'assister dans la zone. Hein, les M23 et l'armée rwandaise ont quitté leur position et puis à un certain moment ils reviennent. Ben, écoutez, nous en tant que forces armées de la République démocratique du Congo, au regard de la mission qui nous a été confiée par la hiérarchie, nous devons rester en alerte. La population doit demeurer vigilante et accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, dans la défense de l'intégrité du territoire national, car l'ennemi ne s'est pas encore désengagé. Le commandant secteur opérationnel de FARDC en Ituri, le général-major Nyembo Abdallah, a effectué une descente sur l'instruction du commandant des opérations en Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shimojoni, sur l'axe commandant Luna et commandant Mungamba sur la route nationale numéro 4 de la chefferie de Walesevon-Koutou en territoire du Rumu. Au motif s'acquérir de la situation sécuritaire, mais aussi instruire et donner des directives aux officiers militaires déployés dans la zone à travers pour en finir avec l'ennemi ADEF MTM. Sur place à Mungamba, la délégation a échangé ce mardi 23 mai 2023 avec la population locale ou l'administrateur militaire du territoire d'Irumu lors de son adresse à martelé sur les instructions du gouverneur militaire concernant la non-circulation des armes par les groupes armés. Le colonel Siro Simba Bungajan. Ndiango déjà Kukuwatu. Le processus de désarmement est. Et donc, je réitère encore pour partir instruction à Mukubwa province, il y a tous les répercutés pour le territoire, à ta Chine, il y a pour Kataza circulation, il y a Masila, Ndani à Migin. Et à ta Kamaoukou, élément, il y a groupe armé, à Ouna Kibali, il y a pour Faya Makosa. Comme on a fait un makosa, on n'a pas pourquoi traduire la justice comme tout le monde. Et comme on est divisé, alors Moussiwomba Tena, il est au salama parce que Koutakwa, tout qu'on a rudiri à tout facilement. Signalons que cette descente entre aussi dans le cadre de réconfort des éléments FARDC engagés sur les lignes de front contre les rebelles ougandais de ZADF MTM et leurs supplétifs dans cette partie de l'Ituri. Sur instruction du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shimojoni, le commandant 32e région militaire, le général-major Peter Chirimwami, ont ce jour dans les territoires d'Arou, en préparation de la tenue de dialogue entre groupes armés, a visité ce dimanche 28 mai 2023 le centre des négoces d'Ariwara, situé à environ 350 km de la ville de Bounia. Sur place, le général-major avait pour mission de sensibiliser la population d'Ariwara, de s'impliquer pour la réussite de dialogue et des évaluer la situation sécuritaire relativement calme, favorisant ainsi le développement de cette partie de l'Ituri, comme les témoignent les directeurs généraux de l'usine Madrimons et les gérants d'établissements industriels au Capi. Investissons-nous dans le travail. Le travail, c'est notre avenir. Les armes, ce n'est pas notre affaire. Donc, pour la jeunesse, c'est l'étude. Et puis, après les études, c'est le travail. Que la jeunesse soit d'abord consciente de prendre à main leur destin pour pouvoir bien avancer, puisque le Congo de demain nous appartient. Une première pour le commandant 32e région qui a marqué les esprits et le cœur des habitants de Zaki Mali. Vraiment, je suis très ravi de cette visite. Étant témoin du développement que connaît la province de l'Ituri sous les têtes des sièges, en particulier celui d'Ariwara, le général-major Peter Chirimwami, émerveillé, a livré ses impressions. Ce n'est pas seulement avec les armes qu'on peut avoir l'argent, mais on peut avoir l'argent avec les mains. Donc les initiatives locales sont les plus heureuses. Au lieu de s'entretuer, nous devons nous mettre ensemble pour produire et développer notre province. La paix, gâche du développement de toute nation, les groupes armés locaux actifs du territoire du Rumu, Djougou et Mali, sont appelés à saisir la main tendue du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au travers de ces dialogues où la réconciliation et le pardon des Ituriens est le maître mot pour le rétablissement effectif de la paix en province de l'Ituri durant ce temps de l'état de siège.
30 officiers de la première zone de défense ont reçu le lundi 22 mai 2023 leur brevet de participation à l'atelier des formateurs vulgarisateurs du code éthique et des conduites du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo. L'objectif poursuivi était de renforcer les capacités sur les thématiques contenues dans ces codes. L'amphithéâtre maréchal Mobutu Sese Seko du centre supérieur militaire a servi de cadre à cette cérémonie présidée par le général-major Bombele Kamidi, premier commandant adjoint du CECAS. Dans son mot, le général Bombele a exprimé sa satisfaction du fait que l'objectif des travaux est atteint. Il a à cette occasion remercié le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo pour son souci de voir son armée vivre en symbiose avec sa nation et les autres personnalités qui ont concouru à la réalisation de ce projet. Le premier commandant adjoint du CECAS a demandé aux partenaires de s'y impliquer davantage pour que les deux ateliers des formateurs vulgarisateurs prévus dans la deuxième et la troisième zone de défense puissent se tenir rapidement. C'était avant de déclarer clos l'atelier de formation de la première zone de défense. Je m'en vais remercier les personnalités ci-après qui ont rendu possible la tenue de ces assises, à savoir Son Excellence Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, pour son souci permanent de voir son armée vivre en symbiose avec sa nation. Mes remerciements vont aussi à Madame la chef de section de réforme du secteur de sécurité de la MONUSCO pour son implication personnelle pour la production du code d'éthique et des conduites du militaire qu'elle qualifie de son bébé, une manière de confirmer qu'elle en fait son problème. À Madame la représentante de l'Institut d'Alert pour les enfants, la paix et la sécurité, pour sa franche collaboration dans la recherche permanente du mieux-être de l'enfant congolais. Auparavant, Madame Oudjou Oubia, chef de section des réformes du secteur de sécurité au sein de la MONUSCO, a aussi exprimé sa satisfaction pour la réalisation de ces projets de code longtemps planifiés, quoique le respect du genre n'a pas été respecté dans la sélection des formateurs vulgarisateurs. Elle est revenue sur l'importance du code d'éthique et des conduites du militaire avant de remercier à son tour les différents partenaires. Quelque chose qu'on a planifié plus longtemps, on a réalisé. C'est pour voir tout le militaire de RDC avoir une copie de la poche manuelle de cette côte de poche. Pas juste beaucoup de femmes, mais femmes excellentes. Notons que les participants à l'atelier ont été formés du 11 au 20 mai 2023 sur 19 thématiques contenues dans ces codes d'éthique et de conduite du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo. La cour militaire de la Tchopo où elle est, présidée par le colonel magistrat Bulukungu Makinisi Joseph, a rendu son verdict dans l'affaire qui oppose l'auditeur militaire supérieur et ministère public contre les adeptes du secte politico-mystico-religieux dénommé Nzambe Lumumba, avec à leur tête M. Guy Héritier Lumumba. C'est samedi 27 mai 2023. Au total, 15 appellants comparaissaient devant cette juridiction pour un réexamen de leur cause. Condamnés tous à la peine de mort au premier degré par le tribunal militaire de garnison de Kisangani, ils étaient poursuivis pour participation à un mouvement insurrectionnel, avoir dirigé un mouvement subversif aux institutions de la République et l'association des malfaiteurs.
Somme toute, si prévenus sont condamnés à la peine de servitude pénale à perpétuité ou à la prison à vie, à savoir Guy Lumumba Kaleba, héritier, pour avoir dirigé un mouvement insurrectionnel, Kele Ongemba Raphaël, Bokondi Sombo Eugène, Ilombe Tchenga Antoine, Kakule Moïse et Moïndo John, tous condamnés à perpétuité. 6 autres prévenus et copes de peine allant de 5 à 20 ans de prison pour participation à un mouvement insurrectionnel, notamment Kambale Gerlas à 20 ans, Buluku Zongo à 15 ans, Tolavu Balanza à 15 ans, Bosofele Bosongo à 5 ans, Katembo Maliro John à 5 ans et Kambale Godefroy à 5 ans. Par contre, la cour militaire acquitte les 3 derniers prévenus pour absence de preuves en ce qui concerne leur participation à un mouvement insurrectionnel. Il s'agit de Ombeni Mouiwa, Kele Yangambi Delphin et Colonie Losomai Bodi. Une chambre de la cour militaire de la Tchopo et les Ouélé, présidée par le lieutenant-colonel magistrat Tchitéa Jean-Pierre, conseiller à la cour, a prononcé en date du samedi 27 mai 2023 un arrêt de condamnation à la peine de servitude pénale à perpétuité devant la prison centrale de Kisangani contre 3 prévenus, à savoir Niembo Fils Diedeno, Akondwa Michel et M. Okito Jean-René. Les 3 condamnés doivent chacun payer 200 000 francs de frais d'instance. À défaut, devront subir 6 mois de contraintes par corps. Pour rappel, les 3 prévenus en appel étaient condamnés au premier degré par le tribunal militaire de garnison de Kisangani à la peine de mort en date du 17 juin 2022 pour les infractions de vol à main armée et l'association de malfaiteurs commis à Kisangani sur la route Ituri au PK 56 le 28 janvier 2022. Notez que ces malfrats ont commis ces forfaits au préjudice de M. Roger Paloukou, conducteur du bus d'Issa, et ses passagers. Pour en savoir plus, retenez que cette bande de malfaiteurs opérait sous le commandement d'un militaire reconnu sous le surnom de Django Cheval, non autrement identifié jusqu'à ces jours. Établi en fait comme endroit à l'égard des prévenus Niembo Fils et des détentions illégales d'armes de guerre mis à charge Niembo Fils à ce titre pénal à perpétuité pour l'infraction de vol à main armée. Congolaises, Congolais, les forces armées recrutent pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême. Venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise. Être âgé de 18 à 25 ans. Être célibataire, sans enfant et volontaire. Avoir une bonne moralité. Avoir fait au moins 4 ans post-primaire. Être physiquement et mentalement apte. Être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Na besi mabogo ti mabogo ba lebi ti kala te ba lebi ti kala na na mi.
Boya Ebele, Totombola Bendele et Ambo Kanabiso.